Zulflaoun, salut à vous tous, c'est Jokerwan, j'espère que vous allez bien. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur comment connecter le nouveau récepteur EconRock sur c'est-à-dire le réseau Internet via Wi-Fi. Et c'est valable normalement presque pour tous les modèles de cette marque. الفيديو تاع اليوم راح يكون على كيفية وصل الجهاز الجديد ايكون روك على الانترنت بواسطة الواي فاي ونورمالمون لا ميثود هذه هي صالحة على جميع لي موديل تاع لا مارك ايكون. Pour le faire, il vous faut déjà brancher le capteur Wi-Fi sur l'un des ports USB. Une fois que cela est fait, on va aller sur menu, puis on va chercher l'icône, c'est-à-dire l'option Network. Vous cliquez sur OK de votre télécommande. Là, vous allez voir qu'il y a, il y aura beaucoup de ce menu qui vont être affichés. Là, vu que nous, on recherche à connecter notre récepteur sur les réseaux, c'est-à-dire sur le réseau Internet. Là, on va cliquer sur OK sur le panneau Network. Et là, on va choisir, c'est-à-dire vu que nous, on va procéder pour la connexion via Wi-Fi. Et là, on va choisir Wi-Fi Network, c'est-à-dire le réseau Wi-Fi. Vous cliquez sur OK et là, vous descendez jusqu'à Configuration et vous cliquez sur OK de votre télécommande. On va attendre un petit peu. Please wait. Là, il a capté le réseau, c'est-à-dire le signal de mon réseau Internet à la maison. Là, je vais cliquer sur OK pour, c'est-à-dire si vous avez un réseau sécurisé, il vous faut descendre sur password et de cliquer sur OK pour pouvoir entrer, c'est-à-dire votre mot de passe. Et là en bas, vous allez voir qu'il y a des boutons rouges, verts, etc. Pour, c'est-à-dire, comme exemple pour la rouge, c'est-à-dire, ça va vous permettre de faire apparaître, exemple, les chiffres et la majuscule et les symboles, etc. Voilà. Une fois que vous avez terminé avec votre mot de passe, moi c'est déjà fait, vous cliquez sur le bouton bleu de votre télécommande pour confirmer l'opération. Et vous allez cocher Auto-Link et vous allez sur le bouton Link pour pouvoir finaliser l'opération avec le bouton OK. On va attendre un petit peu pour... C'est-à-dire là, vous allez voir que les chaînes sont détachées. Et quand vous les voyez attachés, c'est-à-dire le réseau est connecté, c'est-à-dire le récepteur est connecté sur le réseau Wi-Fi. Bref, j'espère que ce tuto saura bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires ainsi que des likes et pourquoi pas la faire partager entre vos amis. D'ailleurs, je vais laisser les liens de ma page ainsi que mon groupe sur Facebook et mon compte blogueur. Et mes amis, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir toujours les nouvelles informations. Bref, c'était Jokerwan et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.